Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, ma French Box. Alors, aujourd'hui, je suis en train de me demander si je vais à la piscine cet après-midi avec ma petite assistante, parce qu'on est entre filles cet après-midi, mais c'est un temps nuageux. Il fait nuage. Alors là, je me dis, non, en fait, fais ton ménage, les papiers en attente et tout, le tintouin. Et d'un coup, vous allez le voir à la luminosité en fait sur cette vidéo, d'un coup, grande luminosité, gros soleil, entretien du bronzage, toi-même tu sais. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon sac de piscine qui est juste là dans le couloir, qui est tout près, et de partir à la piscine. Mais franchement, si j'étais seule, j'y serais allée, petit booking, et voilà, tu vois, je jonglerai entre les nuages. Mais comme je suis avec ma petite assistante, j'ai peur qu'elle ait froid entre les deux et tout. Donc, je reste là. Mais tu vois, dans les moments de grande luminosité comme ça, je suis frustrante. Allez! Alors, the illustration of the ma French box, c'est voilà, toujours des petites cartes que j'adore et franchement Cindy s'était demandé si elle les enlevait de la box. Alors je te donne mon avis, perso moi je les adore ces cartes, je les garde toutes. Il y en a qui sont encadrées chez moi, il y en a qui sont dans mon coin buanderie. Ça me permet de découvrir des artistes et tout et voilà, franchement celle-ci elle est juste canonissime. Regarde, c'est un petit tigre et une dame qui se font dorer la pilule sur des foutards. Franchement, cette, tu vois, ce design-là... Ah non, c'est pas celui-là. J'ai oublié sur quel bras, tu vois. Ce design-là, c'est... Voilà, c'est trop moi, j'aime trop. Aruel, c'est son nom d'artiste, I suppute. Franchement, elle est canon. J'aime trop... Ouais, c'est quoi comme animal, ça? Un tigre. Ensuite, donc nous avons le pochon qui est très joli, le petit pochon qui est fait par Koufou, une entreprise lyonnaise. La petite carte, non mais alors ça, moi cette petite carte là, elle me bluffe à chaque fois. En plus, je suis Cindy sur son Instagram et je vois des stories avec sa grand-mère, sa maman qui l'aide et tout et qui mettent un par un pochon par un pochon, les étiquettes comme ça dans les fils, le temps que ça prend, c'est voilà, pour moi tu vois ça, ça résume pas mal de choses sur, sur cette box là, j'adore. Donc là c'est des pousses de roquette et de basilic, si tu plantes cette petite carte ma French box, j'adore, voilà. Donc avec le petit pochon, on verra après l'intérieur, car en dehors du pochon, il y avait les plantes de l'apothicaire, une infusion glacée à la framboise. Alors moi la framboise je surkiffe, après je sais qu'il n'y a pas de théine dedans mais étant allergique au thé, j'ai toujours une appréhension à boire des infusions et tout, je sais pas, alors qu'à l'intérieur il n'y a que pomme, citronnelle, hibiscus, cynorhodon, arôme naturel, fleur de souci, framboise, ananas, issue de l'agriculture biologique. Infusée donc 10 à 12 minutes. Car étant une grande fan de framboises, vraiment ça me fait trop envie, tu vois. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que je vous disais? Si j'étais toute seule, je serais partie à la piscine avec un bouquin et tout. Et là, on a un bouquin dans la box. Alors ça, je trouve que c'est une super idée. Même si moi je suis hyper, hyper difficile en lecture. Quand je suis plongée dans un livre, j'ai l'impression que c'est la lecture de ma vie. Mais alors pour la trouver, cette lecture de ma vie, c'est La Croix et la Bannière. Moi essentiellement ce que j'ai lu là, c'est tout ce qui est des trucs réalistes, L'Herbe Bleue, Moi Christiane F, La Suite de Moi Christiane F, j'ai lu L'École de la Peur. C'est un peu un truc des romans jeunesse et tout, un peu fantastique, voilà. De prime abord, j'étais pas trop là-dessus, mais j'ai lu le résumé et ça parlait des phobies et tout. Et moi, étant phobique de plein de trucs, voilà, ça m'a parlé et tout. Mais il faut vraiment que le livre me parle à bloc. Là, en ce moment, je lis Le Charme Discret de l'Intestin, donc c'est tout ce qui est médical et tout. Donc voilà, ça me branche assez. Et voilà, je peux pas prendre n'importe quel livre de n'importe quelle histoire classique et accroché, enfin c'est vraiment compliqué. Malgré tout, je trouve que l'idée est géniale de mettre un livre dans les box,
Bah déjà, moi, ça va me permettre d'élargir mes connaissances libristiques. Et franchement, et pour les fans de lecture, je trouve que c'est une super bonne idée. J'aime bien les comédies comme ça, quand je regarde à la télé les trucs comme ça, où c'est des familles qui sont réunies. Il y en a un, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est une famille qui part en vacances. Avec les petits, les tantes, les oncles, les belles-sœurs qui se parlent entre elles et tout. Et forcément, ça part en couille. Il y a toujours des histoires sur les uns, sur les autres. Donc, j'aime bien. Ça peut me parler. Franchement, ouais. Ah, il y a des suites. Mémé dans les orties, En voiture Simone, Minute papillon et Au petit bonheur la chance. Voilà. Bon, bah écoutez, au moins, je sais. Ça, j'aime bien, tu vois, par exemple. Comme. Quand je lis un livre et que je tombe sur la pépitance pépitale, j'adore quand il y a des suites ou que l'auteur a fait des livres dans la même veine, tu vois. Donc je sais que si celui-là, je l'adore, et ben j'en ai trois autres à lire. Et j'aime bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça, quand c'est simple dans la vie. Qu'il n'y a pas à chercher mémé dans les orties, minute papillon, 30 heures. Voilà, tout est là, tout est dit. Ensuite, le pochon. Alors, le bijou qui est emballé dans un petit papier de soie. Oh! Sableblancbijoux.fr. Bijoux en argent massif. Un bracelet de cheville en argent. Sable blanc bijoux. Alors, vertu. Le lapis-lazuli. Alors, le lapis-lazuli, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est une de mes pierres préférées. Non pas par rapport à ses vertus, parce que il faudrait que je vous en reparle, parce que vous êtes nombreuses à me redemander une vidéo sur les pierres, sur la lithothérapie. Je m'en suis un peu éloignée, je vous avouerai, parce que voilà, j'ai trouvé d'autres sources et j'ai toujours mon bracelet à moi qui m'aide vraiment beaucoup quand j'en ai besoin. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui m'a toujours attirée. Avant même de m'intéresser aux vertus des pierres, avant même de savoir que les pierres avaient des vertus, c'est une pierre que je trouve magnifique. Elle est bleue, très belle, hyper mystérieuse. Il y a toujours des petits reliefs à l'intérieur de la couleur. C'est pas un bleu. Déjà, le bleu en lui-même est magnifique, mais il a plusieurs variantes. Enfin, c'est vraiment une pierre qui m'attire. Alors là, les pierres sont blanches. Lapis-lazuli est une pierre d'équilibre, d'apaisement, de régulation, de réparation. La nacre est un matériau féminin, doux et tendre, qui évoque l'amour maternel et la tendresse. La turquoise est la pierre de lithothérapie qui apporte l'être physique avec des sphères supérieures. Alors peut-être qu'il y avait trois pierres et que moi du coup j'ai eu la nacre, est un matériau féminin, doux et tendre, qui évoque l'amour maternel et la tendresse. Bah, j'ai envie de te dire, it's me. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait trois variantes de pierre et que moi j'ai eu la nacre. Alors encore une fois, moi je porte que de l'or. Voilà, je porte pas d'argent. Mais sur la cheville, tu vois, c'est loin de mes autres bijoux, donc ça choquera moins. C'est pas comme quand on a des boucles d'oreilles couleur argent et tout ou en argent, je les mets pas parce que je trouve que ça jure trop avec l'or. Mais là, le bracelet de cheville, c'est vraiment tout en bas, donc hop. Voilà, le bracelet de cheville, tu vois, très fin, très joli. Si c'est de la nacre, moi j'adore. Ça, les amis, c'est une merveille sans nom, un compagnon de vie bah, que tu ressors souvent pour l'été en fait. Parfum d'ambiance biologique pour diffuseur anti-moustique. Merci. Là, tu vois, c'est mon produit anti-moustique qui ne me lâche pas. J'ai d'ailleurs terminé celui-ci que j'ai eu dans une box que j'ai adoré. Enfin, je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je l'adore. Il a été très efficace. Franchement, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Si tu regardes sur mon feed Instagram ou sur mon Facebook un an en arrière, il y a un an en arrière, je me faisais bouffer par les moustiques. Bon, je suis pas encore partie en vacances dans apparemment un endroit qui est infesté de mousticos. Donc voilà, hein. Diffuseur d'huile essentielle, je vais mettre ça. Ça sent ni plus ni moins que la citronnelle, mais concentrée, ça m'aimait. Donc ça, je pense qu'on sera tranquille. Hop, le soir sur la terrasse, tu vois, pendant que tu fais le barbecue, ça c'est parfait. Huile essentielle, donc citronnelle de Java, eucalyptus citronné,
menthe poivrée, lavande, lavandin, géranium et limone grasse. J'ai eu une bouffée de chaleur, j'ai cru que je n'avais pas appuyé sur enregistrer. J'étais comme une dingue, avec moi-même là. Voilà, mais en fait, si. Moi d'habitude, je mets, tu vois, enfin, n'importe quelle huile essentielle que j'ai chez moi. Je le mets un petit peu partout dans ma maison pour que ça sente un petit peu bon et tout, sur mon sac d'aspi et tout. Ça, clairement, je pourrais pas le faire, quoi. C'est vraiment très concentré. Donc, je suis ravie. Je suis ravie. Ça, je suis persuadée que ça va être. Tu vois, je casse sa mémé. On continue? Alors, millepertuis, fleurs fraîches. Une huile bien-être visage et corps. Peau apaisée. Le millepertuis est connu pour ses vertus réparatrices et calmantes. Appliquer sur le visage ou le corps, puis faire pénétrer en massant délicatement. Bon ben voilà, clairement ça va être ton sauveur pour les coups de sunlight. Huile d'olive bio, fleur de millepertuis bio, Olea Europaea Oil, Hypericum Perforatum Extract. 100% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ok, qu'est-ce que ça sent le millepertuis? Déjà, c'est un peu rouge, tu vois. Et ça sent l'huile de noix un peu, je trouve. Voilà, une huile bien-être, flacon en verre de la marque Herbiolis. C'est très bien. Et le tout glissé dans un charmant petit pochon qui fait très marié ce mois-ci. Très très marié, marié de juillet. On adore. Voilà, encore une fois, on est sur un coup de cœur de l'été. Hein, j'ai envie de te dire, Cindy, tout ton travail vraiment se ressent dans ta box. Vraiment, quoi, vraiment. Tu vois, on sent, c'est dans les tripes, c'est de la bonne proposition, c'est pas du produit pour mettre du produit, tu vois. Non, c'est de la qualité, c'est des trucs qui apportent intérêt, c'est vraiment pour prendre soin de toi. Tu sens qu'elle a envie de mettre des petits trucs pour te faire plaisir et pour te faire du bien. J'adore cette box. J'adore cette box et tout le bon qu'elle m'apporte et qu'elle véhicule. Voilà, j'aime trop, vraiment. Gros bisous à toi, Cindy, et à tous ceux qui ont aimé et regardé cette vidéo. Je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous souhaite d'être heureux. Tout simplement. Allez, gros bisous.